métamorphose de poutre préfabrique. Dans le cas de poutre préfabriquée, certaines précautions de mise en œuvre sont à respecter. L'appui est préparé et réglé. La position des aciers du poteau doit permettre le passage des aciers de la poutre. Voici un poteau et une poutre préfabriquée. Les aciers du poteau empêchent la pose de la poutre. Vous devez alerter le chef de chantier avant toute intervention sur les aciers. La position des aciers est contrôlée. Les chapeaux sont mis provisoirement à l'intérieur des cadres. Voici deux poutres qui prennent appui sur un poteau. La position des chapeaux à l'intérieur des cadres facilite leur mise en place définitive. La poutre est équipée de boucles de levage. Il est interdit d'élinguer sur le ferraillage. Les élingues doivent respecter l'angle maximum de 60 degrés et doivent correspondre à la charge à lever. Le sens de pose est vérifié. La poutre est posée sur ses appuis. Les appuis de la poutre sont égaux de chaque côté. Ah, c'est bon là. Le clavetage doit être coulé avant la mise en place des prédalles. Cette phase est très importante pour la résistance de la structure. Un soin particulier doit être porté à la tenue du coffrage, à la qualité du béton et au vibrage.